Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous faire des petites dédicaces. Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. C'est parce qu'Eva, elle est en cours. Donc voilà, je vais vous faire ça solo. Et petite dédicace à Marie, à Loïka, à Raphaël Kakou, à Rumeza et Rizuana, les deux sœurs, à Léane et à Aline. On vous aime fort. Merci beaucoup de nous suivre et gros bisous à vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vais juste appeler une fille. Attends, mais filme pas quand je dis ça. J'appelle, tu sais, Miranda. Ah la pétasse. Voilà, ah ouais. Et ben, je vais l'appeler elle. Nettoie ta caméra. Allez. C'est bon. Ah putain, comment je suis belle là. Oh putain. Ah là là. Ah oui, j'avoue. Ouais. Attends, vas-y, on fait un snap. Fais genre, tu sais pas. Ok, vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Ouais. Avec la serrette. Attends, je veux qu'on voit un peu plus mes seins là. On les voit pas. Attends, je recommence. Allez là. Il faut que je mette des chaussettes. Tu peux me donner tes chaussettes? Non, mais arrête. Laisse de me mettre tes chaussettes. Non, après, non. Après, ça fait moche. Non, fais non, tu sais pas. J'ai une idée. Non, tu fais. Ou sinon, tu fais comme ça. Mais non, moi, je te donne pas mes chaussettes. Oh, j'ai un gros front. Je vais ramener mes cheveux jusque-là. Ok, vas-y. Fais. Bon. Là, on voilà, voit on t'entend, tais-toi. Allez, vite, on voit bien. Là. Bon, là, je suis avec la serrette, le sang de la veine, ouais. Ouais, le sang de la veine. Donc voilà, là, ben, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va passer une journée entre sœurs. En plus, ma sœur la plus belle, elle a participé au concours pour être... Bon, là, je suis avec la sœurette, voilà. Mmh. On passe des vacances, mais c'est incroyable. On est à Dubaï. Je suis choquée. Ouais, je suis choquée. Je suis choquée. Et en plus, on est trop belle. Si vous nous trouvez belle, envoyez-nous un DM. Insta. Alors, moi, mon Insta, c'est Stecy, S-T-E-C-I, tiré du bas, la mongole. Et toi? Et moi, c'est Jessica, J-E-S-I-C-A, K-A, et tiré du bas, officielle, la plus belle. Voilà, parce qu'il y a grave des conseils. Ouais. Faut arrêter. C'est bon. Maintenant, moi j'ai fait là. C'est quoi ce... Qu'est-ce qu'il a, ce chien? C'est quel animal, ça? Oh, c'est bon, là. C'est quel animal, ça? C'est quel animal? Eh ben, c'est des chats, c'est des chatons, je sais pas, des chihuahuas. C'est bon, là? Mais ça se trouve, ils communiquent avec nous. Ils communiquent avec les esprits et nous. Tu penses qu'ils nous parlent? Ben, peut-être qu'ils nous trouvent belles. Non. Ben, si. Non. Mais oui, toi, tu les engueules. Oh! Vous nous trouvez belles? Il a dit oui. Il a dit oui. Je suis choquée. Non mais j'ai envie de pleurer. Non mais par contre, on mange pas, je te le dis. Hein. Quoi? Ah, je grossis pas. Hein. Non, vas-y, s'il te plaît. Viens, on trouve une recette qu'on grossit pas. Attends, je cherche. Qu'on mange, qu'on grossit pas. Je cherche sur Google. Alors. Google. C'est bon, on a compris qu'on était des bombes. Des bombas. Des bombas. Des bombas latina. T'as pas besoin de parler, hein? Oui, on a compris. Eh mais, ça, s'il y a écrit Gogol, c'est bizarre. Il parle peut-être de nous. Mais non, moi c'est Mongol. Ah oui. Parce que toi, tu viens de la Mongolie? Bah oui. Et pourquoi moi j'aime pas de la Mongolie? Mais déjà, pourquoi t'as tes brunes? On n'est pas sœurs? Oh, peut-être qu'on est cousines alors? Non! Oh, c'est pas grave, hein? Au moins, je pourrais piquer tes mecs.
Non. Bah si, hein. Tu m'as déjà piqué mon ex. Non, tu es une menteuse. Alors là, tu es une menteuse. On m'a pas reparlé de Ricardo, hein, je te le dis. Si, alors là, c'est vrai que tu m'as piqué Ricardo, hein, j'avais oublié. C'est pas vrai. Oh, tu es allée avec lui alors qu'il était encore avec moi. Tony, oui, Tony, il m'a envoyé un message, il a dit j'aime ton corps. Et toi, t'as dit? J'ai dit moi aussi j'aime ton corps. Bah voilà. Eh ben oui, j'ai dit la vérité en fait. Allez, c'est bon. Bon, allez, cherche sur Google, on va pas parler de ça. Je t'ai pas dit la nouvelle. T'as dit quoi? Je vais participer au Marseillais. Mais non. Si, et j'habite à Candidati. Mais non. Mais si. Le check de BFF. Check de BFF. BFF. Elle est biatch. Mon colis. Bon, allez, on fait quoi maintenant? À manger? Oui. Oh, viens, après on fait une story. Mais oui, je suis une femme à marier et tout. Ah ouais? Oh, je suis trop intelligente. Mais attends. J'ai une recette de ouf. Non, mais non. Je te jure. J'ai une recette pour pas grossir. On mange, on grossit pas. D'accord. Tu me fais confiance. Je te fais confiance à la vie, à la mort. Tu me fais confiance. À la vie, à la mort, oxygène. Voilà. Moi. Alors, on se dirige vers la cuisine de la villa. J'ai oublié de te dire. Quoi? Aujourd'hui, on a des journalistes qui vont venir parce que vu qu'on est des stars en fait, ils vont nous voir comme des stars en fait. Ils vont nous voir la vie qu'on mène comme des stars en fait. Si, la vie de la mère. Stacy passe et tu t'écartes. Stacy t'amène et tu t'inclines. Ils arrivent à quelle heure? Attends, il est quelle heure? Putain, je sais pas lire l'heure là-dessus. C'est quelle heure ça? 5 de pointe de 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est 15 minutes 29 heures. Voilà. 15h29. Il est 3h? Oui, 3h. Ils arrivent à 3h45. Dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Mais attends, tu veux pas qu'on se fasse belle un peu là? C'est quoi ça? Vas-y, on va se maquiller un peu parce que là, elle a vu ma mère. On va se faire clasher si on est comme ça. Mais en plus, Miranda, elle va voir. Allez, viens, on va se maquiller vite. Vite, on a que 15 minutes. Eh, c'est la panique. C'est la panique. C'est la panique totale. So, là. Hello, man. This is Stacy. Bonjour. Allez-y, entrez dans notre palais. Alors, ici, c'est notre quatrième maison. Quatrième. Non, Stacy, c'est notre sixième maison. Sixième maison, désolée. Aujourd'hui, on a pris la plus petite parce que ben, les parents ils sont dans l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Du coup, on va passer une journée ensemble. C'est voilà, parti. Exactement. Nous, en fait, on est sœurs, mais vu que moi je suis brune, elle est blonde, on se dit que peut-être on n'est pas sœurs. C'est possible. Voilà, c'est possible. Il faudrait qu'on fasse un test. Que nos parents ils se sont trompés. Mais et que, voilà, cas, ils savent, voilà. En tout cas, on a les mêmes délires. Voilà, exactement. On est toutes les deux des stars, donc voilà. Voilà. Alors, moi, sur les réseaux sociaux, moi j'ai dis tes abonnés, combien d'abonnés tu as? Alors moi j'ai 57 abonnés sur Instagram. Du coup voilà, je trouve que c'est un peu un truc de ouf. Ouais, TikTok, je suis à 1800. Oh, mais non. Elle m'a dépassée, je suis choquée. Là, moi j'étais à 1002. Ah ouais, la taxe. Là je suis à 1002 encore. Ok, et sur Insta? Et sur Insta, je suis à 300 et quelques. Incroyable! Alors, si on doit se définir en trois mots chacune, moi je dirais que je suis quoi moi? Je suis belle. Ouais, déjà. T'es belle et t'es vraiment une fille parfaite quoi. Voilà. Tous les hommes ils sont à tes pieds, voilà, faut le dire. Je suis belle. Je suis.
suis charismatique. Ouais. Et t'as des beaux sourcils. Là, et j'ai des beaux sourcils. Voilà. C'est incroyable. Et toi alors? Et moi, je dirais que moi, tous les mecs, ils sont à mes pieds. Mais moi, je les regarde pas parce que moi, je suis là en fait. Et du coup, quand je marche, je vois pas les mecs. Voilà. Voilà. Et une autre chose sur moi aussi, que moi, je regarde pas du tout les mecs. Voilà. Voilà, elle regarde pas les mecs. Voilà. Et elle regarde pas les filles non plus. Ouais, voilà. Voilà, donc Miranda, si tu passes par là, sache que toi t'es moche en fait, je t'explique. On va vous montrer notre maison. C'est parti. Donc, bien sûr, celle-là c'est nul comme maison. On en a d'autres qui sont mieux. Donc là, on va faire comme si vous étiez pas là et on va faire notre vie comme on fait notre vie normalement dans la vie de tous les jours, que la vie, elle nous réserve tous les jours, la vie sans caméra. Donc voilà, hein. C'est ça, exactement. Déjà, tous les matins, elle se fait un bisou. La tigresse. Voilà, la tigresse, la lionne. La tigresse, la lionne, la panthère. Alors, on a aussi une autre, on a aussi un frère, mais il est con, voilà, c'est un peu un mongolien, voilà, il est un peu Google, il nous soutient pas, donc ce n'est pas un vrai homme, et vu que moi je regarde pas les mecs, même mon père et mon frère, j'aime un fou aussi, je les regarde pas. Voilà, elle regarde que moi. Voilà. Et bien sûr, donc on va faire comme si vous étiez pas là, donc on va arrêter de leur parler. Voilà, on vous fait plein de gros bisous. Voilà. Allez, on arrête de leur parler. Donc, on va faire comme si vous étiez pas là, hein. Voilà. Bien sûr, il y a plein de miroirs parce qu'on aime trop se regarder. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai un talent, c'est que je chante beaucoup. Non mais, Stacy, on a dit qu'on faisait... Et alors, je vais leur montrer mon talent. Ok, alors moi j'ai fait à manger parce qu'elle ne sait pas faire à manger, il n'y a que pardon. Moi qui sais faire à manger. Il n'y a que moi qui sais faire à manger. Non, c'est ton talent, c'est quoi ton talent? Je suis même devant les caméras. C'est quoi ton talent, ma vie? Ouais. Ouais. M'énerve pas parce que je vais remettre une. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, qu'est-ce que tu vas faire toi? Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui vais manger. Mais d'accord, donc arrête un peu. Arrête un peu. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais de quoi je vais faire quoi? Stacy, calme-toi. Parce que je te jure. Je te jure. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te manier. Voilà. Y'a pas. Allez, dégage, dégage. Vas-y, fais ton talent là. Arrête de faire chier. Mon talent, c'est. De danser. Work. Faut que je chante quoi? Waouh, tu danses trop bien. T'as vu? Je chante quoi? Je sais pas. Trouve une chanson vite. Shimmer like a diamond. Non. Allez, tu la chantes trop bien. Shimmer like a diamond. Shimmer like a Alors, pour commencer, on a... Donc, les Italiens, on va faire des tagliatelle.
Voilà. Alors, j'ai hâte de manger, mais moi je mange pas beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je suis maigre. Ouais. Putain, c'est déprimé. Voilà, déprimé, déprimé. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils sont seuls ou quoi? Je sais pas. Quand vous avez tout déplié, là voilà, on a tout déplié, on est trop fort. Quand vous avez tout déplié, non, c'est bon, c'est bon. Non, on est quand même deux à manger. Faut pas faire des. C'est un par personne. Voilà, bah c'est bon. Ensuite, on met un petit peu de liquide vaisselle. Non, tu es malade? Pourquoi? Tu veux nous tuer? Moi, j'avoue, tu as raison. De l'huile? Tu es malade. Oui, on va mettre un peu d'huile. Alors, de l'huile, c'est où l'huile? Ok, on met un tout petit peu d'huile parce qu'on veut pas grossir. Voilà, vraiment un tout petit peu. Pas beaucoup, ouais. Voilà, parce qu'après tu grossis. Du sel. On va prendre. Non, prends le. Non, non, pas du sel comme ça, prends le sel comme ça. Non, on va prendre le. Si, arrête. On met pas du sel comme ça dans le truc, on met du gros sel. Voilà. Un peu, ouais, pas beaucoup, ouais. Non, parce qu'après ça va être trop salé. Voilà. Et après, ce que vous pouvez, du coup, après, pour mélanger, c'est super simple. Donc voilà, c'est super simple. Regardez. Ça pétille. Regardez, c'est super mignon. J'ai fait un petit bisou au pâte, il y a le rouge à lèvres. Super mignon. C'était dégueulasse. Mais arrête-toi! Mais tu avais ton make-up. Bon. Non, est-ce que tu avais ton make-up? Depuis qu'ils sont là, je ne fais que de me saouler. Mais là, je t'énerve pas pour ça. Je te prends là. Mais c'est pas pour qui tu te prends, je te prends pour une resta. Tu n'es pas une resta, allô? Si, je suis une resta. Ah ouais, c'est pas parce que t'as 300 abonnés que tu es une resta, calme-toi. Hein. Oh, même les gens qui ont 90 000 abonnés, c'est pas dire. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Mais si, ça, c'est la recette. Mais j'en peux plus, mais j'en peux plus. Et tu sais quoi? Toi, tu vas manger dans ça parce que tu le mérites. Je te le dis, tu vas manger dans mais ça. Mais non, je pète un chien, je te si. Le dis. Oh, tu me dégoûtes. Mais non, c'est super bonne. T'es sûre? Mais oui, tu me fais confiance ou pas? Non. C'est Candy Up, voilà. Voilà, donc nous, on est en partenariat avec tout le monde. Hein. Pourquoi tu m'as là? On croit qu'on est riche. Bref. On est riche, on est super riche, ça c'est vrai. Par contre. Moi, sinon, j'ai mes cheveux, je les ai coupés. J'adore. Dites-moi si vous préférez. Moi, je la trouve coupée. Moche. Mais qu'est-ce que tu t'as, toi, avec tes vieux cheveux, là? Ah, c'est quoi, tu m'as saoulé? C'est bon. Non, mais c'est quoi, ce rouge c'est à quoi, lèvres? Tu m'as... Avec c'est quoi, tu on va tu le mettre saoulé. Non. Tu mérites pas tout ça. C'est toi qui m'as coupé les cheveux. T'as de la chance, ça s'est pas coupé. Mais tu es une malade. Ouais. Mais... Tu es une malade. Tu veux pas avec moi, je te le dis. Je te le dis. On arrête tout là. On arrête tout là. Dégagez de ma maison. Délai, me parle dégagez pas. Dégagez de ma maison. Dégagez de ma maison. Parle pas avec moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dégagez de ma maison. Mais personne va dégager un truc. Si. T'arrêtes. Je vais te frapper. Non, arrête de parler mal, je te le dis. Oh, pourquoi tu m'agresses? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, c'est bon, pourquoi tu fais la allez, sauvage? Allez, casse-toi. Pourquoi tu fais la sauvage? Allez, c'est bon. Pourquoi tu fais allez, la sauvage? C'est super ce truc. Donc, alors. C'était bien ça? Ouais, c'est super. Donc, où on en était? Ça cuit. D'ailleurs, moi, je vais bientôt vous laisser parce que je dois aller faire mon sport. Pourquoi tu m'as... En fait, toi, t'as vraiment envie que je te baffe. Tu parles comment là? T'as vraiment envie que je te baffe. Tu parles comment là? T'as vraiment envie que je te baffe. Tu as vraiment envie que je te baffe. Tu as vraiment envie que je te baffe. Tu as envie. Moi, la grande sœur. Tu as envie. Tu as envie. Tu n'es pas ma sœur. Allô? Allô, ma tête. C'est toi qui as été adoptée aussi. C'est de gogole et de chier. C'est pour ça que tu es conne. Moi, au moins, je suis bien. Voilà, moi, je suis bien. C'est pas mal ça. C'est vraiment cool. Ouais. Bon allez. Bon du coup je vais bientôt aller faire mon sport les amis. Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que j'ai fait un cœur? Mais pourquoi tu m'aimes? Pourquoi je rentre pas? Je fais du sport.
sport, comme tu fais? Bah alors déjà, je fais le squat. Ouais. Comme ça, on met les jambes en deux. Donc on remonte et on fait ça 52 fois. Après on fait les pompes. Tu arrêtes de te donner un spectacle. Je suis chez moi ici. Je suis chez qui? Tu es chez moi. Ton secret. Faut que je dise ton secret. Faut que je te dise ton secret. Que j'ai aucune maison, que même ça c'est ma maison. Et que tu dis, tu fais ton journal. Elle merde. Je me sens vraiment pas bien, tu t'en fous en fait. Dépêche-toi là. Nous on croyait qu'il disait ramasse-toi. Et il a dit qu'il disait quoi déjà? Ramasse ça, c'est moi qui l'ai acheté. Bref, vas-y là. Oh, à chaque fois il gueule le chien d'autre. C'est qui ça? Arrête. Arrête. Allez, avance. Regardez mal les gens comme ça. Mais y'a pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est toi qui me fais une bague là? Ben non les gars. Mais pourquoi y'a personne? Mais je sais pas, c'est un colis non? C'est peut-être à maman. Vas-y, rentre-le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lourd. C'est lourd. C'est hyper lourd. Vas-y, pousse la table là. Bah, je fais quoi là? Vas-y, plus vite. Plus vite. Qu'est-ce que c'est? Si t'as commandé un truc? Non. Allez. Vas-y. Je sais pas faire. Vas-y, pousse-toi. Mais en fait, c'est vraiment bête. Bah non, je pousse en fait. Soucie-toi. Mais tu le tords le truc. Ah. Arrête, c'est un truc qui se casse dedans, en fait, t'as rien. Là, je fais la peau. Aouh! Mais putain! Sérieux? Allez, lâche-toi encore, allez. Mais y'a même pas un nom marqué dessus. Qu'est-ce que c'est? Un frigo? Ah, tu penses à un frigo? Ou une armoire? Ouais, bon, colorier de cette maman, couleur. Maman, elle voulait changer de frigo. Oui, hein. Mais avec cette couleur, c'est bizarre. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un papier cadeau comme ça, c'est bizarre. Toi, c'est peut-être papa et maman, tu vois. Oh là là, la galère. Merde.
Vas-y. Au revoir. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi j'ai fait du mal à toi. Moi j'ai fait du mal à toi. Dans le passé. Dans le passé, c'était qui? Ton prénom? Makala. Makala. Hakuna Matata. Oh, Makala, mais c'est la princesse Makala. C'est qui ça? Vas-y, arrêtez. Vous m'avez jeté dans le sac. Mais je n'existais même pas quand t'es née. Vas-y, on est amis. Elle a battu la princesse Makala. Mais qu'est-ce qu'il sait ça? Mais je connais la princesse Makala. Ok, on va dormir, ok? Mais qu'est-ce que tu fais là? Attends. Attends. Je sais ce que l'aime la princesse Makala. Elle aime quoi? Elle aime la chanson Hakuna Matata. Et en fait, quand tu chantes ça, elle dort. Vas-y. Mais il faut qu'on chante toutes les deux. Mais vas-y, on commence. Hakuna, 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 Hakuna Matata. 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 Hakuna Matata, Hakuna, la porte, plus de débile. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Scotch, Scotch, Hakuna Matata. Dis, je vais te frapper, tu vas mourir. Hakuna Matata, tiens-le, Hakuna Matata, tiens-le, tiens-le. Hakuna Matata, Tata, Makuna, Makuna Tata, Makuna Tata. Hakuna Matata, Tata Makuna. Oh my god, mais qu'est-ce que ça me fait ça là? Je... Oh là là, mais tu sais rien. Oh là là. T'es vraiment bête. Oh. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait ici ce truc. Vite là. Mon dieu. Bien, tu crois qu'elle va pas revenir? T'as vu qu'on va le taper dans le... Mais je m'en fous, elle sera devant ma porte, elle rentrera pas. On s'en fout, au pire, si elle va dans les maisons des autres. Bah non. Tu crois qu'on va la ramener où, là? Ah, il y a où, on la met où? Bah, on la met là-bas, parce qu'elle va s'envoler, hein. On la remet devant la porte, mais non. Si, je te jure, je suis sûre qu'elle va partir. Non. Mais si. On va la mettre à la déchetterie, je sais pas. N'importe quoi. Regarde. Voilà, aide-moi. Mais non! Oh la débile! Oh la débile! Quoi? Pourquoi t'as
déchiré le papier. Mais comme ça, ça veut dire elle est morte, fini. T'as pas à dire ça, là. Vas-y, mets ça là-dedans, là. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est bon. Oh. Ah, mais t'es malade ou quoi? Vas-y, range la maison. Non, bien sûr, bien sûr. MDR. Qu'est-ce que tu fais encore? Je l'ai plus. Alors, je te l'avais dit. Pourquoi tu me... Bah, regarde. Qui avait raison? Plus rien. Mon Dieu. On va faire la porte à clé. Vas-y, range. C'est comme ça, y'a personne. What? Là, je suis encore là-bas. Tu me vois pas? T'arrêtes de ronger tes ongles. Je me ronge pas l'ongle. Si, tu te ronges l'ongle. Non. C'est quoi tes chaussures là dans le salon? Ah, c'est bon. En plein milieu du salon. Saoule, là. Non, mais c'est quoi ça? C'est bon, laisse-moi. Non, mais c'est quoi ça? Quand est-ce que tu vas comprendre que les chaussures c'est dans le placard à chaussures? C'est chiant de faire ça. Je n'ai pas envie. Mais comment ça t'as pas envie? Je t'ai pas envie. De? Bah de mettre ça là-bas. Oui mais après c'est qui le fait? C'est moi en fait. Oui mais je m'en fous, ton problème. Je m'en fous. Comment ça c'est mon problème? C'est toi qui fais, c'est pas moi. C'est chez toi ici, c'est pas chez moi. J'en ai marre, j'en peux plus. Franchement là j'en peux plus. T'as fait quoi hier soir? Rien. J'étais avec ma copine. Donc t'as fait quoi? Bah rien, on a parlé. Enfin je sais pas, t'as fait quoi? J'ai rien fait hein. Tu pourrais poser ce téléphone pour me parler? Oh maman, tu me saoules. Tu sais que je me suis inquiétée toute la nuit? Tu le sais ça? Mais tu quand tu réponds pas à mes messages? Bah peut-être que je dors. Non, tu dormais pas là. Ah si, je dormais. Non, tu dormais pas. Ah si, si, si. Non, j'ai vu tes stories. Non, j'ai pas fait tes stories. Si, tu ne dormais pas. Arrête de me mentir. Pourquoi tu me demandes ce que je fais alors que j'ai mis des stories alors? C'est bizarre. Je te demande quand même ce que tu fais. Bah, tu l'as vu. Bref. J'ai mangé des pizzas, waouh, truc de ouf. Hein. Et pourquoi tu répondais pas à mes messages? Parce que je voyais pas, peut-être. J'avais la flemme, je sais pas. Moi. Ah, t'as la flemme de répondre à ta mère? Oui, peut-être. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. D'accord. J'ai trouvé un briquet dans ton sac. Et en plus, ça fuit dans mes affaires. C'est un truc de ouf ça. Non mais c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu fais avec un briquet? Ce n'est pas le mien. D'accord, et qu'est-ce qu'il fait là dans ton sac? Bah parce que c'était celui de... l'autre là. Ah oui, de... l'autre. Bah celle avec qui celle que je suis allée chez elle. Et pourquoi il est dans ton sac le briquet?
Je sais pas moi. Non mais. Tu comptes me répondre comme ça tout le temps en fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas te mentir. Je vais pas te dire que c'est le mien alors que c'est pas le mien. Je vais pas te dire que c'est le mien. Je vais pas me mettre dans la merde alors que c'est faux. C'est pas le mien. Déjà, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Moi, je fouille dans tes affaires. Non mais écoute-moi. C'est qui la mère ici? Et alors? C'est parce que t'es la mère. J'ai le droit de fouiller dans tes affaires. Tant que tu habites sous mon toit, je fouille dans tes affaires. Non, je fais ce que je veux en fait. Non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Tu n'as pas le droit. Si. Tu n'as pas le droit. Tu me saoules vraiment, t'es en train de me saouler. Moi, tu me saoules. Donc, on va continuer comme ça pendant combien de temps? J'en peux plus. Non, mais vraiment. Tu m'étouffes. Non, vraiment, tu as quel âge? Non, mais c'est vrai quoi. C'est bon. Non, c'est bon. Tu m'étouffes. Non, tu restes là. Non, tu me laisses. Non, je ne suis pas ton chien, je veux pas aller où tu veux. Tu es mon enfant. Mais pas ton chien, c'est pas pareil. Oui, bah, tu fais ce que je te demande. Bah non. Si je vais là-bas, je vais là-bas. Non. Si, je vais là-bas. Non. Si, je vais y aller. Non. Eh ben moi, je vais y aller. Regarde, je vais prendre mes deux petites jambes et je vais y aller comme une grande fille. Non. Laisse-moi. Tu restes là. Vas-y, arrête de me saouler. Là, tu me saoules. C'est un truc de ouf d'être chiante comme ça. Je vais pas t'en sortir comme ça. Mais c'est pas vrai. Quoi? Un pot de colle. Mais hé, tu parles pas comme ça. C'est quoi cette chambre? C'est quoi l'état de cette chambre? Tu vas ranger ta chambre? C'est ma chambre ou ta chambre? Je m'en fous. Tu es chez moi ici. Tu ranges. Je m'en fous. Eh ben non. Ah, regarde l'état du miroir. Fous. Mais qu'est-ce que c'est sale. Qu'est-ce que c'est sale. On se voit même pas dedans. C'est qui qui a acheté tout ça? C'est qui tout ça là? C'est qui? C'est qui a acheté ce pantalon? C'est qui? T'en as pas marre d'être un pot de colle? Vraiment, t'en as pas marre? Tu te dis pas que t'as un pot de colle? Mais t'es vraiment méchante, d'accord? Tu me colles partout. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a que la vérité qui blesse. C'est vrai. Regarde-toi. Quoi? T'es fatiguée, tu t'es même pas douchée, je suis sûre. Et je fais ce que je veux, ok? Non, tu fais pas ce que tu veux, non. Si, je fais ce que c'est je veux. C'est ça que t'as pas compris. Donc tu vas te lever et tu vas ranger tes affaires, non, là. Ça non, suffit. Non. Ça suffit. Émilie, ça suffit, là. Tu me saoules. Non, mais vraiment. Tu cherches le problème, tu cherches le conflit. Mais pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Laisse-moi. Va dans le salon, tu seras tranquille. Pourquoi t'essaies de te prendre la tête avec moi? Je n'ai pas envie de ranger. Je n'ai pas envie. Je vais pas tu ranges quand même. Eh ben non, si, tu ranges quand même. Non. Allez, hop, tu ranges. Mais arrête, hein. Tu ranges, t'arrêtes de jeter tes affaires. Laisse-moi. Ça se voit que c'est pas toi qui les as achetées, hein. Oui. C'est bon, ouais. C'est quoi ces cours là? T'as fait tes devoirs? Mais c'est toi qui as fouillé dans mon sac! Oui, oh, eh ben t'as fait des devoirs. Voilà, voilà. Après, vu que c'est moi, non mais tout le temps. Oui, je les ai fait, j'en ai non, pas. J'en ai pas. D'accord, montre-moi ton pronote. Laisse-moi tranquille. Montre-moi ton pronote. Va. Va. C'est... Va. Tu prends pas mon téléphone. C'est qui ce Ryan? Mais y'a pas de Ryan! C'est qui ce Ryan? Y'a pas de Ryan! Ah oui? Oui. Je viens de voir Ryan. C'est pas vrai, bah vas-y montre. Vas-y montre. Montre-moi où tu vois Ryan. Ici, là. C'est mon pote, laisse-moi tranquille. Je peux même plus avoir des amis. Non, c'est pas ton pote, j'ai vu des cœurs. Bah oui, Ryan avec un cœur, oui, alors ça fait quoi? Non, j'ai vu des cœurs dans vos messages, c'est quoi ça? Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Genre vraiment, vraiment. Non, c'est qui ce Ryan? Je veux savoir où est-ce qu'il habite, où est... Oh là là, t'es complètement starbée. Il est au collège avec toi, c'est ça? Ouais. Il est dans ta classe? Ouais. Je l'ai pas vu dans la liste de la classe. Tu es folle. Je ne l'ai pas vu dans ta liste de classe. Tu es complètement folle. Arrête. Laisse-moi tranquille. Non. Va-t'en. Allez, loin de moi. Loin de moi, j'en peux plus de toi. Non. Je n'en peux plus. T'es comme le Covid, tu m'insupportes. Allez. Aïe! Tu m'as fait mal. Si, mais pourquoi tu mens? Je t'ai même pas touchée. Si, tu m'as fait mal. Va-t'en. Tu m'insupportes. Ah oui? Et sinon, tu vas faire quoi? Ben. Va-t'en. Laisse-moi. Tu vas ranger ta chambre. J'en peux plus. Tu me saoules. Regarde comment t'es fatiguée. Bah oui, je suis fatiguée. Demain, tu vas en cours. Bah ouais, donc laisse-moi aller dormir un peu. J'ai besoin de sommeil. Eh ben, je vais dormir, donc laisse-moi tranquille. Non, tu vas pas dormir à cette heure-là, je crois pas. Il est 14h de l'après-midi, tu vas pas dormir maintenant. Tu arrêtes de me saouler. Allez, va-t'en. Mais c'est pas possible, tu vas pas rester comme ça. Contre la dame blanche. Va-t'en. C'est fou de rester comme ça devant moi.
demain tu vas en cours, t'es fatiguée, t'as un contrôle de maths. Bah voilà, j'ai pas envie, je suis fatiguée, c'est exactement ça. Tu vois, tu comprends. Hein, non, tu vas y aller en cours, je te le dis. T'as un contrôle de maths demain, tu vas réviser. Ok, ouais, d'accord. Pose un peu ce téléphone. Donne-moi ton téléphone. Laisse-moi tranquille. Donne-moi ton téléphone. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. De toute façon, je devais aller habiter avec papa parce que toi, tu me saoules. Ah oui, c'est comme ça? Ouais. Et ton père, comment il m'a fait souffrir? Je m'en fous. D'accord. Pourquoi t'essaies de faire la mère qui engueule? Va-t'en. Laisse-moi. Non, là, j'en ai plus cassé. D'accord, bah tant pis pour toi. On a rien à faire. Allez, tu me donnes ton téléphone. Non. Allez, t'es confisqué de téléphone pendant une semaine. Bien sûr. Allez. Oh, bah oui. Oui. Allez là. Allez. Non. Tu me donnes ton téléphone. Confisqué. T'es en train de me saouler. T'es vraiment confisqué. Va-t'en. Arrête de me répéter la même chose tout le temps. Je ne vais pas partir. Bah, pareil pour toi. Arrête de me répéter la même chose tout le temps. Tu n'auras pas mon téléphone et je rangerai pas ma chambre. Donc ça sert à rien de me répéter la même chose. Donc va-t'en. Merci. Ce sera mieux pour tout le monde. Parce que toi, tu seras tranquille et moi aussi. Je sais pas pourquoi t'essayes de m'engueuler alors que tu pourrais être tranquille dans ton canapé. Parce que je m'inquiète pour toi. Moi, ça va bien, très bien. Là, j'en ai marre. Vraiment, là, j'en ai marre. Je me sens pas du tout comme une mère, en fait. Je me sens comme la boniche. Comme celle qui devait tout faire et puis elle s'en fout. Je crois qu'elle m'aime pas. Je pense que, en fait, elle préfère ses amis à moi. C'est très dur de le supporter en tant que mère, mais là, j'ai besoin d'aide. Vraiment, là, je peux plus. J'ai toujours eu l'impression d'avoir bien éduqué Emily. Mais là, j'ai l'impression que... Pas du tout, en fait. Je me suis trompée sur toute la ligne. Et c'est très dur en tant que mère de ressentir ça et de se faire traiter ainsi par sa fille. C'est très, très dur. Je suis fatiguée. Je t'ai pas éduquée comme ça. Et quand tu bailles, tu mets la main devant la bouche. Oh, et quand, quoi que je fasse, tu vas me dire un truc. Non, c'est insupportable. Non, mais c'est bon, je t'ai pas éduquée comme non, ça. Non, ah, ça non, suffit. Là, un mètre de distance, là, ça c'est suffit. Bon. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je fouille. T'es complètement folle, tu vas rien trouver. Hein. T'es complètement folle. Mais tu vois, papa, il a raison. C'est à qui ça? C'est mon équerre. Non, c'est pas le tien. Si? Non, c'est à qui ça? C'est mon équerre! Complètement. Je t'ai pas acheté celui-ci. Et alors, peut-être que je l'avais oublié et je l'avais perdu et du coup quelqu'un m'en a passé un. Donc c'est à qui? Bah je sais plus. C'est une équerre. C'est un sac tranquille déjà. Attends, on va aller. Emily, arrête! Arrête. Stop. Tu vas lui prendre la gueule là? Ouais. Alors là, tu t'en vas. Aïe! Tu t'en vas! Fais pas semblant de pleurer. Hein. Aïe. Va-t'en. Qu'est-ce que t'as? Laisse-moi. Tu arrêtes. Aïe. Je suis ta mère. Aïe. Tu arrêtes. Laisse-moi. Arrête. Aïe. Mais arrête de faire la folle. On va appeler les assistantes sociales, là, ça va pas. Hein. Va-t'en. Allez là, j'en peux plus. Je souffre. Moi aussi, allez. Tu m'aimes pas? Si, allez. Ah. Salut. J'en peux plus, c'est un peu de colle, elle fait que me coller tout le temps partout où je vais. J'en peux plus, elle m'étouffe. Faut qu'elle me laisse vivre, faites quelque chose pour qu'elle me laisse vivre, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Aidez-moi, aidez-nous, aidez-la, faites quelque chose. C'est bon, j'en peux plus. Aïe, tu me donnes des coups de pied. Aïe. C'est toi qui me tapes et c'est toi qui dis aïe. Alléluia, hasta luego. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait que me coller? Allô? Ouais, ça va. Je te dérange? Ok. Non mais vas-y moi. Oui moi ça va, c'est juste ma mère, elle me saoule comme d'habitude. Elle est chiante, elle fouille dans mes affaires et tout. Trop chiante, j'en ai marre. Elle me dit quoi? Elle me dit demain tu vas en cours. Je dis mais je suis fatiguée, la flemme. Moi, viens on sort nous. On va au McDo, je sais pas. Vas-y, bah vas-y, je me prépare, on y va. Non, je m'en fous, elle va rien dire. Vas-y, bisous, à toutes. Allez hop, j'y vais, je vais préparer mes affaires.
que tu fais là? Je vais au McDo. Avec qui? Avec Lucie. Non. Si. C'est, tu vas où là? Non. Au McDo avec Lucie. Non, ma tu ne sors pas. Non. Mais si, tu ne sors pas. Laisse-moi. Non. Tu ne sors pas. Non, ça suffit là. Non. Pourquoi tu veux sortir maintenant? Non. Tu me laisses. Oh, t'es chiant. On est mal. Comment je vais faire? Je vais jamais m'en sortir. Elle va aller chez son père. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Hello tout le monde! Hey! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va et aujourd'hui vous avez été grave nombreux et nombreuses à nous avoir demandé un room tour de notre nouvelle chambre. Voilà. Enfin, notre nouvelle chambre. En gros on n'a pas déménagé, on a juste refait notre chambre. Voilà, on a tout rénové chez nous et aussi notre chambre, donc on va tout vous montrer. Donc du coup ici vous avez la porte, donc vous arrivez, vous voyez ça. On a le lit en face de nous, l'armoire et tout. Ce qu'on a fait en premier c'est de repeindre toute la chambre en blanc. C'est que c'est notre père qui l'a fait parce que nous on est là, c'est pas nous, ouais. On est derrière. Mais enfin, les murs et tout, ils étaient pas très propres et tout vu que ça faisait déjà 4 ans qu'on est ici. Donc on a tout repeint et ensuite on a mis des LED tout autour du plafond. Donc, mon père a mis des LED encore une fois. Voilà. C'est mon père qui a tout mis. Donc voilà, les LED, on en a mis 20 mètres de LED. Tout autour du plafond et ça je vous jure que ça change tout, donc si vous voulez rénover votre chambre, mais j'ai tout le temps raison, c'est un truc de... si vous voulez rénover votre chambre, bah pensez au LED, franchement ça change beaucoup. Ouais. D'ailleurs on m'a beaucoup demandé et les LED viennent de chez Amazon. Voilà. Voilà. On les a pris de chez Amazon, on a pris deux boîtes parce qu'en fait c'était des boîtes de 10 mètres, donc on a pris deux ça boîtes. Ça suffit assez. Hein. Déjà quand vous arrivez, il y a un nouveau tapis. Déjà, le premier truc, c'est qu'il y a un nouveau tapis, voilà, parce qu'il y avait un grand tapis avant. On l'a enlevé, on a mis un tapis blanc, simple. That's right. Maintenant, l'armoire. Donc pour ce qui est de l'armoire, l'armoire, on l'a changée, parce qu'avec Eva, on n'avait pas assez de place pour nos affaires déjà de une, et en plus, ça commençait à se casser un peu de partout. Donc du coup, voilà, j'ai mon côté qui vient jusque là, parce qu'en fait, c'est un truc coulissant, comme ça, hop. Et le côté de Eva qui va de là à là. Ici en fait vous avez tout ce qui est rangement comme ça, donc que vous pliez, et de l'autre côté en fait vous avez les cintres, donc voilà. Et en haut on a mis quelques sacs de grandes marques qu'on aime bien, bah, que ça fait beau quoi. Voilà, parce qu'on savait pas où les mettre et puis c'est dommage de les jeter, donc on les a mis là. Mais bon, après le reste on a tout jeté quand même parce que bah... Bon, on va pas tout garder non plus. Hein. Ici, nous avons notre coiffeuse. Ouais. Si vous vous rappelez bien, j'avais pas cette coiffeuse là. Et elle était pas là. Elle était pas là. Elle était là-bas. Nul, et en fait, ici, à cette place-là, il y avait notre bureau qui ne servait à rien parce que ni Eva ni moi, on travaillait là-dessus. Quand on travaillait dans le lit ou, ou sur la table à manger. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais, on aime bien travailler avec du bruit en fait. Voilà, on travaillait. Je déteste travailler sans bruit. Ouais. Donc voilà, là, on a rajouté. Ça, si vous voulez, la ref, ça vient de chez Ikea. C'est vraiment super parce qu'en fait, il y en a plein. Quoi. Il y a plein de rangements. Il y a 2, 3, 4, 8, 9. 9 tiroirs. Il y en a 4 qui sont des grands tiroirs. Et le reste, voilà. C'est des petits. Mais franchement, c'est voilà. Ici, du coup, on a la petite télécommande des LED. On a les petits parfums à collectionner de Negin. Parce que, voilà. En fait, c'est à part lui. Mais il est beau, ça fait beau. Ouais. En fait moi je collectionne tous ces petits trucs là. Voilà. Ensuite là il y a tous nos bijoux. Bah il n'y a rien qui est pour quelqu'un ou... comment on dit En fait ici on a mis tous nos bijoux de luxe. Donc hop, il y en a un bijou en or ici. J'ai mon collier Dior. J'ai le bracelet qui est sur mon poignet. Et il y a le bracelet Louis Vuitton d'Eva
que qu'on a mis ici pour pas tout mélanger. Alors dans le premier tiroir, bon donc ici c'est un peu en mode pharmacie un peu hein. Ouais, d'ailleurs mes clés, je sais pas du tout ce qu'elles font là, mais bon c'est pas grave. Voilà. Dans le deuxième, on a les parfums, les brumes, tout ce qui est voilà. En fait, c'est un peu mélangé en fait. Non, en vrai non. Là, on a tout ce qui est gel hydroalcoolique, déo et tout. Ici, on a tous les bijoux, les élastiques, les barrettes. Il y a une montre. Je sais pas ce qu'elle fait là. Donc ces rangements là, si vous voulez, c'est sur Amazon aussi. Ensuite, on a bon. Là, oh la brume de Negin. D'ailleurs, attendez. J'ai acheté cette brume parce que je trouvais que ça sentait super bon maintenant. Eva ne trouvait pas que ça sentait bon. Bah en fait j'avais trop senti. Ok, en vite. Direct. Attends mais trop, mon dieu, aidez-moi. C'est bon, arrête. Mais non, c'est ça dégoûte. C'est une brume en fait. Bon, j'aime pas. Ça sent super bon. C'est vite fait bon, mais non, arrête de mentir, ça sent super bon. Ensuite, en dessous, là, c'est tous les maquillages. Donc, voilà. Les produits de beauté. Les produits de beauty. Et en fait, les trois derniers, ce sont que des papiers. Des cours, des. Voilà, ou des papiers. Des feutres. Voilà. Donc, la coiffeuse vient de chez Amazon. Voilà. Les petites lampes, là, c'était compris dans la coiffeuse. Hein. Ouais, j'aime trop. Donc, ici, on a tous les gloss, les rouges à lèvres, les soins des ongles et tout. Ici on a tous les mascaras. En fait ça c'est tous les trucs qu'on utilise un peu pas trop tu vois. Là on a les mascaras qu'on n'utilise pas trop, les trucs de Nabila, Maybelline, bref les petits trucs qu'on n'utilise pas. Et sinon tout ça c'est un peu de la déco, mais ça Negin elle l'utilise, ça aussi. Et les lunettes de soleil bah, c'est de la déco. Donc, ouais. Il y a aussi le petit tabouret qui vient de chez Amazon aussi, mais qui n'est pas compris dans la coiffeuse. Donc voilà, il est trop bien. Donc ici on retrouve la même petite armoire de rangement là que là-bas. Donc ici pareil, c'est pas très intéressant, tout ça c'est mes cours. En bas, bah y a rien de fou. Ouais, en bas y a rien. Mais voilà, tout ça c'est mes cours. Et du coup voilà, une petite déco que notre maman a acheté qui est très belle, donc voilà. Juste au-dessus de notre coiffeuse, on a oublié de vous montrer, mais on a deux petits tableaux, voilà. Eau de parfum et Little Black. Juste ici à gauche de notre lit, nous avons deux petits tableaux, enfin deux grands tableaux en vrai. Prada c'est et des 50-70, hein. 50x70. Voilà, Prada et Coco Chanel. On a aussi la lampe, donc voilà une petite lampe. Et la petite anecdote, c'est que Eva a cassé cette bulle là. C'est pas vrai. C'est toi qui l'as cassé. Ouais, j'ai cassé le début. Ensuite, quelqu'un d'autre l'a cassé. Ouais, c'est ta meilleure pote. Du coup, ici, comme vous le savez, derrière les rideaux, il y a la vitre qui montre sur la salle à manger. Du coup, on a mis des nouveaux rideaux. Voilà, ils sont très beaux, ils sont très swag. Donc là, c'est ma partie à moi. Donc, y a ma table de nuit avec mes écouteurs, enfin tout ce que... C'était quoi ça? Voilà, et ensuite, j'ai aussi ça, parce qu'en fait, c'est un truc où tu mets tes pieds en mode t'es dans le lit. Et tu mets tes pieds dedans comme ça et il reste au chaud, voilà, c'est super. Et dans les tiroirs. Et voilà, on a un miroir chacune avec Eva de notre côté, mais personne n'utilise en vrai, on se regarde jamais dedans parce que c'est de la déco en fait, voilà. Et voilà, après moi du coup ici il y a un tapis aussi, parce que comme vous le savez il y avait un tapis rose avant ici, on a pris le même en blanc hein. Écoutez, on change pas les bonnes années. Du coup voilà, j'ai le même truc que Negin, là pour les pieds, là j'ai le miroir, la lampe, la bougie, la fleur. Et dans mes trucs, bah moi il n'y a rien de spécial, si vous voulez, regardez. Que des trucs vite fait, genre des stylos, des faux ongles, voilà les trucs. Voilà. Et ici c'est plus lisseur, truc pour nettoyer l'ordi, truc chauffant et tout. Du coup voilà. Et notre lit donc il est incroyable. La couverture est incroyable. Voilà. Le lit est resté le même. On a juste changé les oreillers, la couverture et tous les draps. Donc tous nos draps, tous nos vieux draps et tout, toutes nos housses de couette, on les a jetés et on a décidé d'en prendre que des blancs. Et juste derrière ces rideaux, il y a une très grande fenêtre. Voilà, et ça donne sur la terrasse. Voilà. Et, et ces rideaux sont les mêmes que les autres rideaux. On a pris la même couleur de ceux-là. Ouais. Et sinon, il y a toujours Pépito qui nous accompagne partout. Voilà, je peux plus me le voir. Pourquoi tu mens? Franchement, je peux plus me le voir. Pourquoi tu mens? T'es une menteuse. La dernière fois, t'as dit attends, en fait, c'est trop bien de dormir sur Pépito. Oui, c'est trop bien de dormir sur Pépito parce que Pépito, en fait, il est bien, il est confortable, mais toi, tu veux jamais qu'on dorme dessus, alors ça me fout. Bah non, parce que c'est le mien.
Donc, ceux qui ont participé la rénovation de cette chambre, au montage des meubles, etc., c'est mon père et mon oncle. Voilà, tous les deux. Il nous a beaucoup aidé. Ouais, d'ailleurs, merci. Déjà, hier, on avait un problème avec l'armoire, il est venu pour nous aider. Ouais, voilà. Donc, voilà, merci à lui et. Et pour la déco, that's me and my mother. Toi, t'as vraiment rien. Pourquoi tu mens à chaque fois j'allais à Ikea avec maman? Mais oui, mais je vais pas aller à Ikea alors que je suis en cours. Mais tu t'en foutais. Arrête. Non, j'ai toujours dit, vous me montrez avant. Non, t'as jamais rien montré avant. Bien sûr que si, maman, elle m'a dit tu veux violet, tu veux quelle couleur? Elle m'a déjà dit, hein, tu te prends pour qui toi? Bah oui, mais tu t'en foutais, t'as rien fait. Si la chambre elle aurait été moche, je l'aurais dit. Hein. Oui, mais t'as rien fait pour la rendre belle. Tu veux que je fasse quoi? Bah voilà. Bah vas-y, dis-moi ce que tu veux. Bah je sais pas, que tu trouves des idées, que tu regardes et tu dis ouais, ça c'est joli, ça c'est joli, t'as rien fait. Une grosse mytho parce que déjà il y a les LED. Les LED, c'est moi, je disais LED. Et les tableaux en mode. Ça date. Les tableaux en mode Prada, nanana, ça fait il y a pas longtemps, j'ai dit à ma mère, moi je veux un tableau Prada dans ma chambre s'il te plaît, donc arrêtez de mentir. Oui mais t'as participé à ça quoi. Et alors c'est la déco les guides, c'est la déco. Oui mais en vrai c'est moi. Et le tapis fait. Pareil, le tapis j'ai dit je veux un tapis comme ça. Non ça c'est moi qui l'ai acheté. Bah oui mais moi je voulais un tapis comme ça. Oui bah je t'ai même pas demandé ton avis. D'accord, ok. Ok, donc sans parler de nous deux, c'est surtout notre maman, notre papa et notre oncle Ramin qui ont tout fait. Donc merci à eux. En fait ma mère, elle donne les ordres et mon père et mon oncle faisaient, d'accord? Donc c'est-à-dire, vous faites ça, ils le faisaient. Et ma mère, elle a choisi la déco et tout parce qu'elle est trop forte en déco, voilà, une décoratrice, excuse-nous. Et petite dédicace à Oriane, à Radia, à Dahlia, à Elodie et à Perle. On vous aime fort. Merci de suivre et gros bisous à vous. Bon, on vous laisse, on fait plein de gros bisous. Passez une bonne après-midi. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.